Coucou à tout le monde. Pour cette période, j'utilise les greffes à Zeina de la marque Darling. Et pour la couleur, c'est le numéro F2 950. Je l'ai débuté hier. Donc voici la perruque. Ça a des reflets violets. Et ça, c'est la partie que je dois faire aujourd'hui. Donc je noue bien le début avec les filets et je dépose ça sur le filet. Et je commence la couture. Donc je noue bien. Je suis rentrée. L'aiguille était bon. Je continue. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de faire le tour. Je vais faire un cercle jusqu'à ce que le tour soit fait. Voilà, voici le résultat. Ici, que ça donne. Je prends juste, je fais juste attention pour faire sortir l'aiguille doucement. Je prends le filet par le bout pour qu'il y ait une belle finition. Je termine ça et je tire tout doucement. Qu'il n'y ait pas d'erreur. Ouais, c'est pas la perfection, mais quand même, je veux une bonne finition, un bon point. Et je découpe avec la lame. Donc, c'est tout. C'est terminé. Normalement, je pouvais le terminer hier, mais je voulais partager avec vous ça. Cette perruque, c'est pour ma grande soeur. Donc, voici le point. C'est tout mignon. C'est presque. La perfection. J'adore. Voilà. C'est sûr. Pas jaune. Le reflet violet. Presque. Certes, ce sont des mèches synthétiques, mais ça peut durer un bon moment si on ne met pas de l'huile dessus ou bien de la crème. Moi, j'utilise seulement du démêlant. Et ça, c'est bon, ça dure un bon moment, plus de, ça peut durer 2 années au moins. Ça ne va pas avoir de frisottis ou bien des trucs du genre. En tout cas, c'est pas pour moi, c'est pour ma grande soeur. Je voulais juste partager ça avec vous. Il y a des côtés un peu rebondis, donc c'est dû au fait que j'ai des tresses au fil sous la perruque. Mais ça ne fait rien, c'est juste une démonstration que je vous fais. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, portez-vous bien. Et bye bye, je vous adore. Bye. Ciao, ciao.